Bon alors, j'ai pas tout compris, hein. Un matin, je me suis réveillé, il y avait de l'orage, de la foudre. Alors j'ai pris toutes mes affaires qu'il y avait dans ma maison, je les ai mis dans une valise, j'arrivais plus à la tirer. Alors Vlad m'a dit, allez viens, on s'en fout, tout ça, tu les rachèteras. J'ai dit, c'est vrai. Bon, on est parti, hein, on a trouvé Lina, elle était jolie. Et après, on est revenu parce qu'il y avait son frère, il était dans l'eau. C'était une drôle d'idée de se baigner parce que la pluie, c'est pas top, hein. Enfin, bref. On a voulu le sauver, puis en fait, il y a un rocher, il est tombé dessus, ça a tué tous les parents de Lina et le père de Vlad. C'était pas cool. Du coup, Lina, elle était traumatisée. Alors, 3 ans plus tard, eh ben, c'était vraiment une délinquante, hein. On est parti explorer le temple de Sol avec un vieux fou qui traînait dans le village. On s'est fait niquer parce qu'à la fin, des méchants, ils sont venus. On aurait dû s'en douter, hein, parce que je les avais rencontrés, mais pour une fois, c'est eux qui nous ont tués, hein. Bon, c'est pas grave, ils nous ont volé des étoiles. Enfin, des étoiles, c'est rond, quoi. C'est un peu idiot. Enfin, bref. On s'est fait niquer, du coup, ils sont partis, mais on avait quand même une étoile. Eh, pas con, les cons. Et du coup, après, on est parti vers Vaux. On a trouvé un petit jeune, il s'appelait Yvan. Yvan du jambon. Enfin, bref. On a trouvé des voleurs, on a tué, on a avancé. Après, on est allé dans une forêt, il y avait une tête qui parlait. On l'a tué, on a avancé, on est arrivé à un phare. C'était cool, il y avait une jolie fille, les cheveux bleus. On allait en haut du phare, il y avait Salamandar qui nous attendait. Bon, on l'a tué, on a avancé, hein. Après, on est reparti, il y avait un temple avec des chinois, j'ai pas compris. Là, il y avait un dragon, mais on l'a pas tué, il crachait juste du feu pour éclairer le chemin. Alors, quand dans la forêt, il y avait un gros singe, hein. Bon, du coup, on a tué, on a avancé, après... On est arrivé dans un... Ah, comment t'appelles ça, là? Ah, on est arrivé dans un... Ah, un désert. C'est comme quand on a la fin du repas, mais c'est pas pareil. Enfin, bref, on est arrivé dans un désert, il y avait une manticore, on a tué, on a avancé. Après, on est arrivé, on a pris le bateau, c'était pas facile, hein, parce qu'il y avait un poulpe, mais on a tué, on a avancé. Après, Vlad, il a voulu faire le Colisée. J'ai dit, Vlad, il faut sauver le monde, hein. Il m'a dit, non, je fais le Colisée. Alors, on a fait le Colisée, puis Vlad, il a gagné, alors on a avancé. Après un autre désert, hein. C'était chiant les déserts. Hein. Cette fois c'était une bestiole, c'était un éléphant avec des grosses ailes, mais avec pas de trompe. Alors du coup, ben, on l'a tué, puis on a avancé. Hein. Ensuite, on a fait un tour sur l'île aux pirates, c'était pas mal. Hein. Chaque porte il y avait un monstre, et chaque fois on le tuait, chaque fois on avançait. Oh, ce que c'était bien ça. Puis du coup, après on a avancé, il y avait le phare de Babi, c'était bien parce qu'il y avait rien à tuer. C'est un peu fait chier. Puis après quand même on est arrivé au phare de Vénus et là c'était bien, on a tout monté avec plein d'ennemis, on a tout tué, on a tout avancé. On est arrivé en haut, je te raconte pas, il y avait Salamandar et Phoenixia, ils nous attendaient. Alors du coup on leur a tatané la face, on les a tués, on croyait qu'on allait avancer. En fait Salamandar, il a balancé l'étoile dans le fort quoi. Du coup ça a tout fait un tremblement de terre et en plus il s'est transformé en dragon. Bon, dragon on a tué, on a avancé. Enfin bref, on se retrouvera plus tard et cette fois on laisse la place à Lina.